Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Donjon d'Holbuck. Filmage de l'angle du mur, café. Nous sommes partis pour faire compléter notre dossier d'inscription pour notre demande de carte de lecteur, bien entendu. Je ne peux malheureusement pas modifier les personnages ou je ne sais pas comment on fait. J'aurais bien mis mon nain par ici, mais bon. Pour le règlement. Pour le règlement. Excellent. Bon, l'avantage des morts-vivants, c'est que ça se déplace pas hyper vite. C'est quand même un petit peu pratique. Faut quand même reconnaître les choses. Pop, 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 pop. Bah, évidemment, ils sont résistants à l'étourdissement. Je vais peut-être pas... Ouais, si, je vais rester par là. Salut, je suis le ranger de Loubet. Ok, oui, ici, hop. On va pas aller chercher très très loin. Oh, un peu le boulette de feu, gentiment. Ouf. Je te mets en vigilance absolue. Boîte de conserve. Et pan. Je peux mettre un nain par là. Into. Il y en aura pour tout le monde. Dans tes genoux. Gagner du déplacement avec un nain. C'est du génie. Bon, ils vont être immunisés au poison, ça n'a pas grand intérêt. Allez hop. Je ne suis pas là. D'ailleurs, il n'a jamais été là. Ah, et si je te poussais comme ça? Attends, ça serait du génie, ça. Alors, attends, si je réussis ce coup de maître, hein, il se passe des choses. Parade. Il ne s'est donc évidemment rien passé. Donjon d'Holbuck, un jeu qui t'empêche d'avoir du génie. Qui d'ailleurs adore tout pourrir la vie. Alors, a fait deux attaques, hein. C'est du génie, hein. C'est moi, j'ai un ogre qui vient d'esquiver. Genre deux fois, je crois. En plus. Pas gentil d'attaquer dans le dos comme ça. Donc moi, je ne crains rien. Je suis le ranger de Loubet, bien entendu. Ah, c'est pareil, hein. Ils ont une bonne parade par contre, hein, les boîtes de conserve là. Ouais, moi c'est moins le cas, j'avoue. J'avoue tout. Comment ça je me prends une attaque de... Comment ça? Et eh ben prends-toi celle-là. Hein. Ils sont évidemment immunisés. Ah, si je me mets là, ok, d'accord. Bon bah bouge pas, reste là. Ma fifi, est-ce que c'est pas le moment de nous régaler avec un paf into paf paf là? Voilà. Et je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il me l'a fait. Ouais, non, bah je vais te mettre une torgnole façon Gurdy, je vais éclater tout le monde. Torgnole façon mais non, mais... Gurdy. Je me déteste.
Prends une action supplémentaire, maître nain. Ça me régale. Dégage. Et il a pas bougé, le mec. Donc ça c'est 25 points de vie, 6 d'endus par tour. Hop, la petite saucisse qui va bien. Non non, nous on est solide, pas de problème. Pas de problème là-dessus. Hazardo Kitina. Ça pourrait être moi dans quelques années. Ah, ils sont passés de nul à précision meurtrière. Hein. Voilà. Aucune triche, aucun abus n'a été commis. Plaît-il ? Ah oui, parce que tu m'as mis en mode déplacement, mais calme-toi. Est-ce qu'il va me faire tomber sa foutue sur le coin de la gueule, c'est ça le truc ? Qu'est-ce que j'en ai à péter ? Voilà-moi ce gars-là tout de suite. Ouais, colle des tordioles à des trucs, j'en sais rien là. Déjà, est-ce que j'ai encore assez d'endus pour jouer quoi que ce soit? C'est 50 d'endus, donc déjà j'ai plus d'endus pour faire quoi que ce soit. À noter. Ouais, bah tape là-dessus, hein. Dans ce sens-là, voilà. Hop. Tac, 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 tac. On va donner leurs os à des clébards. Une petite gifle de Namzar qui va bien. Toga, voilà. Voilà, y'a plus de problème avec ton nulos. Qui voulait mettre de la foudre. Le mec n'a pas de bouclier, il a une meilleure parade que mon ranger. Aïe ! Hop ! Tu la vois ma capuche ? Serre les dents. Oh là 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 là. Mon barbare il est dans un sale état aussi. Ça dépend, tu me le couches le gars? Ouais, tu me le couches. Vas-y, couche-le.
non, on va le défoncer. Ça suffit pas pour le tuer. Viens à côté de ta sorcière préférée, toi. Ma sorcière préférée. Nouveau feuilleton. Signé par l'ogre. Très intéressant. Qui a un bobo au doigt? J'ai un ogre qui commence à avoir un petit peu très mal. Que j'augmente son soin, elle est plus capable de soigner d'une seule traite l'ogre. Ouais. Ça suffira pas pour vaincre. Aïe, les nains n'ont jamais mal. On veut pas que j'utilise ma compétence, hein, ça fait vraiment grand plaisir. Ouais, on s'en fout, viens ici, savate-le quoi. Me voilà. On part sur un savatage standard. Ouais, molestation policière. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en groupe. Ouais. 11% de chance quand même, hein. Oh, ce petit changement de bâton qui fait grand plaisir, hein. Fous-moi ça par terre là. Et paf ! Dégage ! C'est la police, j'ai dit c'est la police. Tape, hein. Putain, il est quand même costaud la boîte de conserve, hein. Mais putain, mais vraiment. Oula, on va en prendre une triple, hein. Ah non. Bon, ça va. S'il y a que ça pour te faire plaisir, mon gars. Prends ça, fionne de poule asthmatique. Exactement, vieille poule asthmatique. Vous connaissez monsieur la molestation policière? On sait, bobillette. J'ai 15 points de vie. Qui a un bobo au doigt que je pourrais soigner? Attends, il manque autant de points de vie. Ah oui, il manque autant de points de vie à mon barbare. Ah ouais, ouais, vas-y, hein. Coucou. Bah ma sorcière... oui, oui, bah écoute... Chouchou. 44 à 64, 37 à 50. Ah ouais! Quand même, hein, la gifle de Damzar améliorée, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, par contre, c'est raté ça. Ce qui est un peu dommage. Ah oui, on était sur la molestation policière. Ouais, ça dégage. Et c'est souvent dans la gueule. Ouais. Vraiment, les nains, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux.
Y a pas à discuter, quoi. Zop zop coucou. Oh, je me suis fait refroidir. Putain, ce squelette de mort qui nous fait de la résistance, quoi. Ah, c'est le menu pause. C'est ça que je voulais voir. Tant pis pour les soins. Toujours pas, j'en ai toujours rien à carrer de tes valises à la con, voilà. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Pff, ouais, non, l'ogre et le nain, c'est bon, quoi. Tout ça? Je prends? Oui? Oui, non, on est très bien. À juger. Petit tour au stuff, hein. Bouclier solide protecteur trait de marque, on le possède déjà, puisqu'on l'a acheté en boutique. Très bien. Pour notre elfe, il semblerait qu'il n'y ait rien. Pour notre gros, on a gagné des genouillères de jarret en cocotte. Quoi? Plus de points de vie, autant de protection, je suis d'accord. J'aime bien. J'aime le concept. Rien. Nada. Que chi. Que dalle. Même pas en début de quelque chose? Ah si. Ah, un casque, un vrai casque. Merci. Je peux en avoir un autre? Une hache en... Oh là 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 là, mais ça, ça fait plaisir. Hein. Bon, je perds de la précision. Alors ça, c'est à prévoir un peu. C'est un peu de la merde, mais vas-y. Oh, ça, c'est de la vraie hache de chez Durandil, quoi. Oh là 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 là. C'est la hache de... Oh, de poutrage électrique en plus, hein. Ça met des chocs électriques sur le coude, visiblement. Ça a l'air incroyable. C'est vraiment un bon donjon qui donne les bons objets aux bonnes personnes. Les guerriers maudits pour les nuls. Le retour. Et attends, on avait déjà... Ah non. Okay. C'est moi. J'ai pété un plan. On était dans quel sens? Ah oui, on était... Ok, la caméra a changé. Ok. C'est bon. C'est bon. Bonjour. Ah, vous avez une bibliothèque derrière vous, permettez. Ah, des brocolis de semi-homme avec des points de vie. Ah, formidable. On prend tout. Bonjour. En quoi ce jour serait-il bon? Je sais pas. On n'est pas mort déjà? Parlez pour vous. Ah oui, bien entendu. Personne ne peut mourir deux fois éternellement et... Tais-toi, tu t'enfonces. Vous êtes la responsable des liches. Je suis Caseline la récolteuse, grande administratrice normative de la nef suprême des savoirs indicibles. Vous êtes un genre de libraire, quoi. Mais ta gueule. C'est chouette comme boulot. Vous ne devez pas vous ennuyer, je veux dire, toutes ces couvertures à épousseter. Nous avons besoin d'un tampon sur notre dossier de lecteur. Je vois. Pour arriver ici, vous avez combattu les guerriers maudits? Oui, il se peut qu'on ait... disons, accidentellement dû nous défendre contre quelques personnes qui... Ne soyez pas embarrassés, c'est très bien. Voici votre tampon. Bonne lecture. Comment tu fais ça, boulot? Merci. Mais pourquoi vous aimez pas les guerriers en armure? Nous servons le même but. Mais disons que nous avons un léger différent sur la façon d'y arriver. Et sinon, vous auriez des informations sur une amulette maudite? Je supervise les bibliothécaires. Je n'ai pas le temps d'aider des lecteurs. Demandez de l'aide aux liches préposées. Ça aurait été trop simple aussi. Elle est aussi moisie que ses parchemins. Mais boucle là, tu vas nous faire tuer! Je sais voir à travers la surface des choses. Vous êtes plus utile vivant que mort. Pourquoi ils sont bizarres, la dame? Oui, merci, on va aller repasser nos lacets. Fichons le camp! Quelle bande de boulets.
retour au commerce, hein, local quand même. On passe un niveau, l'ogre passe un niveau, l'ogre passe un niveau, l'ogre passe un... La déception. La déception perpétuelle. Il a pas fait le plein ce con, non, bah non. Ça aurait été trop lui demander. Tiens, vas-y, prends un bouclier. Un casque aussi. Hache. Une paire de bottes. Qui s'y ressemble, qui... Ouais. Ressemble, peut-être pas le mot, mais vas-y, démerde-toi avec. Voilà, nous sommes de retour avec le dossier complet. Je vérifie. Tout semble en ordre. Il y avait longtemps que nous n'avions pas délivré de nouvelles cartes de lecteur. Ça a sans doute un rapport avec le fait qu'on doive livrer des combats pour avoir un coup de tampon. Tout ça, c'est à cause de votre règlement de merde. Non! Ne prononce pas ce mot. Le règlement de la grande bibliothèque est garant de l'ordre et du classement. Nul ne peut y déroger. Misère! Fichons le camp! C'était bien de la merde. Allons voir derrière cette porte de con. Halt! Disposez-vous d'une carte de lecteur? Absolument, mon brave. Cette carte est conforme au règlement. Passez et respectez le règlement. Le règlement est le garant de l'ordre et du classement. Nul ne peut y déroger. Ça doit être pénible, cette armure, pour se promener dans les bois. Comment vous faites pour ramasser des fleurs? Les règlements ordre du galant et roger dans leur règlement. Nul ne peut. On dirait que l'elfe a fait bugger ce garde. Ah, nous allons pouvoir enfin consulter tous ces ouvrages. Il faut nous concentrer sur l'amulette et sur le dieu de la loose. Par la hache de Golter, il y a des millions de bouquins ici. Il est peut-être plus sage de demander de l'aide aux préposés. À condition de ne pas prononcer le mot règlement. On pourrait demander à des gens vivants. Il y a plein de gens en robe qui lisent des livres. Sans doute un congrès de marchands de rideaux de douche. Ce sont des mages puissants qui ont un accès magique à ces lieux. Ça doit être un secret bien gardé entre seigneurs sorciers. Comme la recette de la pâte à crêpes. Quelle miam miam propose. Alors vraiment, les vannes du nain, c'est vraiment les meilleurs. Mais ce qui manque presque dans ce jeu, c'est que dès le début, on puisse commencer avec des chiantos. Et que, quitte à les acheter, qu'on puisse nourrir en boucle notre nain de chiantos afin de débloquer des vannes, des decks additionnels de vannes. Et ça aurait été incroyable. Tout le monde sait très bien que les chiantos jouent un rôle clé dans Donjon de Nullbuck. Voilà, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour le Donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre, et je vous dis à la prochaine.